P. Trois lettres magiques grâce auxquelles vous pouvez rapidement changer votre état d'être. Le premier P pour la posture. S'il vous arrive d'être pas au top de votre forme, être peut-être triste ou vous sentir un petit peu, comment on dit, chargé ou abattu, il suffit de vous redresser, d'ouvrir vos épaules, qu'au bout de 3 minutes, votre état d'être va changer et augmenter. Parce que, allez-y, vous pouvez tester, il est très très difficile d'être triste ou déprimé dans cet état-là. Donc voilà, il suffit vraiment, la première chose, de vous redresser, ouvrir vos épaules, ouvrir la poitrine. C'est vraiment à cet endroit que ça se passe. Et même un tout petit changement, testez-le, le descendre, ouvrir, descendre, ouvrir. Vous pouvez sentir que on respire mieux, on a envie de faire les choses et la tête forcément va aussi se redresser. Donc la tête qui est haute, la tête haute, va aussi nous aider à se projeter plus facilement dans la vie, rêver, avoir envie de quelque chose, de mieux, de plus, de différent, peu importe. En tout cas voilà, cette posture-là, elle est... Elle caractérise les gens qui vont plutôt bien dans la vie. Observez-les. La deuxième lettre, R, pour respiration. Là, pareil, que vous soyez dans une énergie basse et que vous vous mettez à bien respirer, inhaler, vous allez vraiment nourrir votre cerveau et tout votre corps, les muscles vont se détendre et vous allez très vite. En 3 minutes maximum, sentir la différence de votre état d'être. Donc, posture et la respiration. Pour cela, détendez bien votre mâchoire et respirez profondément pour relancer cette machine et vraiment respirer et vous faire du bien. Le troisième, c'est le P à nouveau, un P pour penser. Vos pensées influencent d'une manière très importante votre vie, votre quotidien et vos ressentis. Alors, si vous allez penser que vous êtes quelqu'un de bien, quelqu'un d'important, magnifique, intelligent, valable, capable, vous allez vous sentir en pleine forme, puissant, vous allez aussi avoir envie de faire plein de choses, interagir avec les autres. Plus vos pensées sont tournées vers le positif et un positif puissant, parce que même là-dedans, il y a un degré. On peut commencer par penser que vous êtes quelqu'un de bien et après penser que vous êtes quelqu'un de puissant, créatif, intelligent, dynamique. Donc voilà, vous pouvez vraiment adapter vos pensées en fonction de ce que vous avez envie de ressentir et de faire après, de réaliser. P, R, P. Posture, respiration et des belles pensées. Je vous souhaite vraiment de l'utiliser le plus souvent possible pour déjà l'expérimenter, mettre en place et puis que ça devienne votre attitude quotidienne. Prenez soin de vous.